Allez, salut à tous, bienvenue sur live. Ce soir, on va jouer à Wolfenstein, donc 3D, l'ancienne version, mais remis à jour avec un mode qui s'appelle Brutal Mode, qui est juste exceptionnel. Alors, la dernière fois, on avait fait Doom avec ça, et là, on est parti sur Wolfenstein. Pour ceux qui connaissent pas Wolfenstein, c'est un ancien FPS des années 90, si je dis pas de bêtises. Et où en fait il faut s'échapper d'un château rempli de nazis. Mais sauf que au fur et à mesure des extensions, on va découvrir qu'il y a des expériences secrètes et on descend comme ça de plus en plus dans le terrier du lapin entre guillemets. Et c'est ça qui est énorme quoi. Avec des grosses armes, des boss de fou et enfin c'est exceptionnel. Et là du coup le Brutal Mode reprend toute l'architecture du jeu et le met vraiment en 3D comme ça et c'est un bonheur, c'est ultra brutal et on va voir ça ensemble. Je vais bien monter le son. Allez, ça devrait suffire. Mon micro, on l'entend, ça c'est bon. Allez, let's go. Alors vous allez prendre le train en marche avec moi, vu que ça fait déjà depuis un petit moment que je suis sur le jeu. Alors je suis à la troisième extension. Je sais même plus c'est laquelle, mais alors par contre ça peut choquer, il risque d'y avoir des, des croix gammées un peu partout, donc voilà, vous affolez pas, c'est normal, ça fait partie du jeu, j'ai pas changé de j'ai pas changé de régime politique on va dire, alors hop, allez hop, on va charger un petit peu les armes, parce que je l'avais pas fait avant, allez c'est parti, boum. Alors, j'espère que le son est pas trop fort pour vous. Normalement, ça devrait le faire. Le son a l'air correct. Je vais peut-être le monter un petit peu. Ouais, là, ça devrait le faire, je pense. Alors, j'aime bien à chaque fois les gardes. Arton! Le napalm, ça calme. Boum. Putain, ça, c'est vraiment mon arme préférée du jeu, vraiment, quoi. Boum. One shot, à chaque fois, quoi. Ça, c'est trop bon, quoi. Alors, des fois, il y a des secrets. Voilà, ben, parfait. Au moins, comme ça, je ne mens pas face à la caméra. Oh. Oh. Alors, j'ai toujours pas compris à quoi servaient les trésors qu'on ramassait dans le jeu. Mais bon, c'est pas bien grave. J'ai pas vu de menu d'achat ou quoi que ce soit. Harpong. Alors, par contre, le gros problème de ce jeu, c'est les temps de chargement qui sont horribles. Par rapport à Doom, où on a vraiment les temps de chargement qui sont très réduits, là, vraiment, on a un gros souci vis-à-vis de ça, quoi. Ce portrait du Führer. Ah, mais tout le long c'est comme ça. Tout le long il y a plein de petites photos comme ça, de petits symboles qu'on reconnaît. Allez hop. Mais du coup c'est vrai que pour un jeu comme ça à l'époque ça donne de l'immersion on va dire. Les gens qui vont voir passer ma vidéo sur Facebook, ils vont dire mais putain mais à quoi il joue. À quoi il joue. Je peux vous assurer que c'est pas le truc le plus dégueulasse auquel j'ai joué ces dernières années, mais je suis mort. Alors j'arrête pas de mourir, c'est normal. Le jeu par contre est d'une difficulté, c'est impressionnant. Impressionnant par rapport à Doom qui se laissait quand même approcher. Là vraiment on a une difficulté qui est croissante mais directe. Et c'est dû notamment aux ennemis. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a des ennemis qui courent très vite. Donc pour les cibler ou faire quelque chose, c'est pas très évident. Quoi. Là, j'ai 2 PV, on va pas aller très loin. Non. Putain, la grenade dans la porte, boum. Ça, c'est vraiment les meilleurs passages. Quand tu joues quoi.
Tu lances la grenade, la porte elle se ferme, tu te la prends dans la gueule quoi. Boum. Pas de secret, non, pas de secret. Halt! Alors lui. Tra! Voilà, les lance-flammes c'est le pire, vraiment quoi. Voilà, la Waffen SS, eux c'est les pires. C'est les pires, ils sont. Faut falloir tirer au moins deux fois dessus quoi. Et le napalm c'est genre un coup et tu crèves. Donc c'est très 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 dangereux quoi. Moi je suis là à chaque fois, je m'ai ressuscité dans les cheats. Mais ce qu'il faut savoir c'est que techniquement tu n'as pas le droit de les utiliser quoi. Et moi je le fais parce que c'est vraiment pour découvrir le jeu tranquillement en m'amusant quoi. J'ai pas envie de me prendre la tête, je veux juste profiter de la brutalité du mode, de voir des tripes partout et de me faire plaisir quoi. Crac 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 crac, rechargement. Enfin, cette arme elle est magnifique, vraiment quoi. Non, le napalm ça part trop vite, c'est vraiment le souci. Ah, il lui faut deux balles. C'est bien ce que je disais. Vas-y, ouvre la porte. Fais-toi plaisir. Ah non, je peux pas, j'ai plus de balles. Eh merde. Non, elle est partie trop loin. Ah, c'est super compliqué contre les lance-flammes. Je vais être obligé de me mettre en god mode parce que. C'est un carnage. C'est juste un carnage, j'ai plus de balles, j'ai plus rien. Je sais même pas si on m'entend depuis tout à l'heure avec le micro, je suis obligé de gueuler dans le micro. Alors pour expliquer vraiment la différence qu'on va avoir avec le jeu de base en fait, ce qui va se passer c'est que on aura avec le jeu de base une profondeur de champ qui ira pas aussi loin en fait. Des modèles 3D donc qui ont vraiment été refaits, les armes aussi ont été refaites. Remanier entre guillemets, c'est à dire qu'avec les anciennes armes par exemple clic droit, ça vous pouvez pas le faire, vous pouvez pas vous mettre en mode visée comme ça pour avoir plus de précision. Pareil, je crois qu'on peut pas sauter, on peut pas s'abaisser aussi. C'est des petites choses mais ça donne de la ça donne du gameplay et ça donne vraiment de l'amusement quoi, parce que c'est vrai que la version de base est, enfin voilà quoi, déjà rien que la profondeur on l'a pas quoi. En plus là, démerde-toi, j'ai plus rien. Non, pas ça. Ça, merci. Alors le problème, c'est que je parlais de la difficulté, en fait. J'ai pas vu que j'avais pas allumé ma lumière. Je parlais de la difficulté. C'est vrai qu'en fait, dans le premier épisode, voire dans le deuxième, on a énormément de munitions. Donc ça fait qu'on a un jeu qui est quand même assez fluide, on va dire. Alors là, il l'est aussi. Mais c'est vrai que le fait qu'on manque de munitions et que la difficulté augmente, on rencontre des ennemis de plus en plus compliqués, de plus en plus résistants surtout. C'est vrai que c'est pas très très évident, quoi. Mais ce que j'apprécie, c'est que... Ce que j'apprécie aussi... C'est le fait de redécouvrir un jeu aussi ancien, parce que maintenant ça commence à
ça commence à être ancien, que ça soit ça, Doom ou quoi, c'est assez ancien. Ce qui est bien, c'est de pouvoir les redécouvrir, mais avec un gameplay actuel. Neuf, jeune, on va dire. Voilà. La majorité des FPS actuels qui se prennent pour des FPS old school, donc de la vieille école, ont des gameplays très similaires, très rapides, très, très fluides. Et là, le fait justement de pouvoir les rejouer comme ça, c'est vrai que c'est un bonheur. Quoi. Là, ils sont derrière les piliers. Il va me rester une balle. On charge maintenant. Bah alors parfois même pas je vise. Même pas je me fais chier à viser. J'ai plus de balles. Ça là, elle a fait mal. Alors sincèrement, je suis incapable de dire si je vais me faire strike sur Facebook avec toutes les croix gammées qui passent depuis tout à l'heure. On verra. On verra, j'espère que non, sincèrement. Aïe. Ah, des fois je vois que je suis mauvais quoi, mais c'est abusé quoi. Alors si des fois vous comprenez rien à ce qui se passe à l'image, je vous rassure moi aussi. On est deux. Parce que c'est moi aussi. Beaucoup de fois je suis là, je me dis mais merde, j'ai fait ça. Ah, j'allais dire, il veut pas crever quoi. Ah non! Putain! Arto! Allez hop! Et fin du. Putain, j'y crois pas, ils m'ont foutu un là. Ah, vite, vite, vite! Il est où? Merde! Lui, il était pas mort. Allez, fin du level. Alors après, vu que c'est des anciens jeux comme ça, les levels sont pas du tout longs, en fait. Ils sont même très réduits, très restreints, des fois. Donc on va dire que c'est vachement plus appréciable aussi, parce que, je veux dire, un level prend pas 3 heures quand on les boucle assez vite. Surtout si on a vraiment bien fait l'habitude. Et... j'ai plus de grenade et je suis mort. Ouais, j'avais prévenu la difficulté assez corsée là. Ah! Mais non, fais pas de doigt d'honneur. Les doigts d'honneur, on sait pas pourquoi. J'ai plus rien. Oh, je manque de munitions, c'est dingue ça. Pauvre garde, il est en train de déjeuner, tranquille. Ouais, j'ai plus de munitions. Ah, j'ai rien comme munitions, c'est un truc de fou. Hein. Ah, j'ai 6 balles, je vais pas aller loin. Je vais attendre qu'il se rapproche. Et je suis mort. Dommage. Putain, j'aurais bien aimé le choper en vol.
Ah, c'est comme ça, c'est W. Ouh. Il va falloir que j'essaye sur un garde ça. Voir si ça passe. Ouais, ça passe. C'est trop bien quoi. Je savais pas que je pouvais le faire ça. Trop bien. Économie de munitions. Putain, j'ai plus de munitions en plus. Ah non! J'essaie de me rapprocher, mais ça va être. Ça gueule partout, c'est trop bon quoi. Allez hop. Putain, c'est dommage que j'ai pas la grosse Gatling. J'aurais pu m'amuser 5 minutes. Non, là je suis déjà passé. On appréciera aussi les reflets aussi de RTX. C'est un plus pour l'immersion. Alors, est-ce que. Non. Ah si, là, je suis pas passé encore. Oh. C'est bien, je récupère des munitions un peu. Je vais charger. Wouah! Putain, ce que je me suis pris là. Ah, y en a trop là. Y en a trop. Ça part trop vite le napalm. Enfin, je sais même pas si c'est du napalm en fait. Je pense que oui, mais. Là, il me faut une mitrailleuse ou un truc comme ça parce que. La Thompson aussi, elle est sympa, mais je l'ai pas là. Je pense qu'il n'y a plus personne là, je peux y aller. C'est bien ça, ça fait des munitions. Et il se déplace extrêmement vite. Ah, il m'a fait peur là. Que dalle, que dalle, que dalle, que dalle. Non, 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 vite, vite. Oh. Super. Y a du monde qui arrive. Alarme! Ah, il manque la clé en or que je n'ai pas.
Mais eux encore, ils ont juste des grenades fumigènes. Mais il y a des les scientifiques là en blouse blanche, avec juste le symbole nazi sur le bras. Eux, ils ont des fioles qui sont empoisonnées. C'est du gaz toxique, alors du coup, faut faire gaffe, quoi, parce que si on reste dedans, c'est mort. Ça, je l'ai déjà fait. Hein. Ok. Allez, hop. Ça, j'ai pas fait, ouais. Ah, de l'armure. C'est bien, tous en ligne. Parfait. La gold. Ah, j'aime bien là. J'aime bien parce que quand on rentre dans une pièce, qu'on se dit bon ben y a personne et que d'un coup on entend halt, Artong, c'est direct, tu recules. Tu dis oh putain ça pue. C'est trop bien quoi. J'aime trop les petits doublages du jeu. Ils sont vraiment énormes. C'est comparé à Doom où on avait que des grognements, des trucs comme ça. Là c'est vrai que d'avoir un peu des genre des humains entre guillemets en face. Ah, tous les trésors ont été trouvés. Et du coup, ça fait quoi? Il y a marqué reward, je sais pas quoi. Peut-être à la fin du level. J'ai une récompense. Ah, du coup, la musique s'est arrêtée. Ça, c'est la vraie musique du jeu, ça. Ça donne tout de suite un peu moins envie, mais bon. On va dire qu'elle est pas inutile. Voilà. Elle est pas inutile du tout. Je crois que c'était en face là, non? Non, raté. C'est là. Ici. Ça, c'est la carte du jeu en fait. Clac. Ah, j'ai fait exprès de le viser le lance-flamme parce que... C'était chaud là. C'était bouillant, c'était... La musique s'excite. Les derniers Wolfenstein des années 2000 étaient très bons. J'avais énormément aimé quoi. C'était très très bien scénarisé. Le personnage principal avait beaucoup plus d'implication parce que notamment il avait des dialogues, ce qu'il n'a pas dans, dans Wolfenstein 3D, à part juste faire que tirer. Ouais, j'ai beaucoup apprécié quoi. Et puis, par rapport à d'autres jeux où la censure était effective, là pour le coup, Wolfenstein respectait bien la lettre les codes nazis et compagnie de l'époque et c'était sympa tout en incorporant tout le délire de Wolfenstein derrière, c'est-à-dire après les expériences genre sur les gens, les comment ça s'appelle, tout ce qui est rapprochement avec genre la théorie extraterrestre et tout, genre avec les vaisseaux nazis, vaisseaux spatiaux et tout quoi, c'est énorme. Oh putain, je suis trop con. Et d'ailleurs, à l'époque où je crois le premier ou le deuxième jeu était sorti, ils avaient fait une bande-annonce qui était passée même, je crois d'ailleurs, à la télé, que j'avais trouvé extraordinaire. C'était en fait, tu voyais genre si les nazis avaient gagné la guerre et tu les voyais genre débarquer sur la lune, poser le drapeau et, et faire le signe. Si putain chaud quoi. Si ok. Non, mais ils avaient fait franchement un méchant trailer quoi. Et ça donnait vraiment, vraiment, vraiment envie de jouer quoi. Oh putain, bien joué. Allez, fin du level.
Ah. Alors ça c'est voilà l'espèce de grosse Gatling, grosse mitrailleuse. Ça c'est bon. Je regarde si je peux pas recharger mes armes avant d'y aller parce que ça à mon avis ça sent le boss ça. Quand tu as marqué Hartung partout, c'est que ça pue le boss. Hop, je charge tout. Hop, allez, let's go. Alors, je sais pas qui m'a. Ah oui, c'est derrière moi, bordel. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Bon, je vais me servir d'autre chose parce que. Eux aussi sont super durs, c'est des mutants. Espèce de mutants robots là. En termes de skin, on dirait des espèces de robots d'androïdes. Ah, ils me font méga peur eux. À chaque fois j'appuie partout pour voir si je vais pas tomber sur ça. Salut Rémi. Ouais, il est super chaud le jeu. Super 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 chaud. Ah! C'est vraiment un jeu à l'ancienne, hein, donc du coup ça garde ces paramètres-là, quoi. Je mitraille avant de rentrer, on sait jamais, quoi. Hop, la silver. Putain, y a des portraits du Führer partout. Bonjour. Ah, oui, des munitions. Ça c'est bon, des salles comme ça là, c'est un régal, c'est juste un régal. Allez, feu. Oula! Ça sent le boss ça. Non? Oh, qu'il est beau! Qu'il est beau! Oh! Ça va, le son est pas trop fort? Ah mais il est gratuit. Il est gratuit Wolfenstein 3D comme ça là. Il est gratuit et tu le prends avec le mode brutal et ça te donne ça en fait. Ah, tu le trouveras pas sur Steam celui-là. Peut-être l'ancienne version sûrement mais pas celui-là. Ah mais nickel alors. Parce que je me suis dit peut-être qu'avec les tirs et tout ça va pas le faire. C'est joli. Il y a de belles décorations. Ah, il est en haut. Il est en haut, il me regarde. Putain, cette double pédale dans les oreilles là. Ah merde! C'est putain. Laisse-moi écouter la musique. Ah ouais, mais les portraits, et puis tu le vois, il est derrière la fenêtre. Tu le vois là? Regarde. Alors peut-être qu'il va venir se battre après, on va savoir. Oh, lui il est lourd lui.
Non, je pense pas que ça soit le boss final. De toute façon, il me reste encore beaucoup d'épisodes. Je suis au troisième épisode et je crois qu'il y en a 8 d'épisodes. Le dernier, il s'appelle le Spear of Destiny, la lance de la destinée. Et je crois que c'est Adolf Hitler qui trouve la lance, tu sais, de la destinée. Comment on appelle ça? La lance qui aurait transpercé Jésus-Christ, tu sais, sur la croix. Ils ont voulu, tu sais, se la faire un peu à la... L'arche perdue, quoi. Putain, ils sont invincibles, quoi. C'est des sacs à PV, quoi, les machins. Ah, voilà. Ah. Putain, c'est pas possible, quoi. J'en arrive tout le temps, quoi. Ah, je peux pas passer. Ouais, en fait, le scénario, il démarre que t'es emprisonné dans le château Wolfenstein, et le château je sais plus quoi, et en fait, je crois que tu as un groupe de résistants qui t'aide à t'échapper, et tu te retrouves après au milieu de machinations où les nazis font des expériences, etc. Et ça va très très loin, ça va jusqu'à la lance de la destinée, en fait, quoi. Oh putain, c'est Hitler! Il est là, il est là, il est là, regarde! Ah merde! Oh, la musique de circonstance! Ah mais c'est bien! Au moins je l'aurais montré pour la vidéo, c'est cool! Tu vois, il a une armure de malade en plus! Putain, il me défonce, quoi! Wow. Heureusement que je mets les codes à chaque fois, parce que ça, sans code, c'est même pas la peine! Sans code, tu résistes pas. Ou alors il faut être très malin et bien jouer comme ça, tu vois, mais genre en strafant à gauche, à droite, quoi. C'est pas évident du tout. C'est pas évident. Putain, en plus j'ai plus de grenades. Ça c'est cool. Ah ok, maintenant il a plus d'armure. Parfait. Ah, mais il est quand même aussi résistant, quoi. Qu'est-ce que... C'est quoi, ce... Il est en... Comment ça s'appelle? On dirait une espèce de mage. Regarde, il est en robe de mage, l'autre. Attends, il n'y en a pas qu'un de Hitler? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Ils sont 20 000, quoi. Ils sont 20 000. Hein. Je sais pas, on dirait des sorciers Hitler. On dirait des mages. Ah, c'est énorme. Les ont clonés. Putain, je rigole si c'est ça le délire. Putain, le temps que je recharge. Déjà, ils sont pas invincibles, c'est ça qui est bien. Faut que je recharge encore. Ah mais ils se sont fait plaisir vraiment, quoi. Tu sens que c'est sympatoche quand même au fond, quoi. Et voilà. Je pense qu'on est bon. On va pouvoir y aller. Non? Ah non. C'est pas possible. Là. Ah, ascenseur. Je croyais que c'était la fin du niveau. T'imagines, tu meurs là? Tu meurs juste après le boss. Putain, la rage. La rage que t'as, quoi. Ouh. Vite, 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 vite. Tu meurs juste après, tu pètes une durite, quoi.
Et voilà! Yeah! Ouais. Episode complete. Donc voilà, en fait, les seuls dialogues du jeu vraiment que t'as, donc par le personnage principal qui est William Joseph Blazkowicz, c'est ça en fait. À chaque fin de mission, on t'explique ce qui s'est passé et ce que tu vas faire après quoi. Donc voilà, le Führer est mort. Now all Stalin, Truman and Churchill. Looks like suicide. C'est ouais, non, là c'était pas trop un suicide, hein, franchement. Je ne suis pas satisfait du résultat. Several Nazi officials going to Nikola Island, Californie. To a cult over. Et oui, c'est pour ça, en fait, c'est le culte de Hitler. En fait, qu'on a vu les sorciers avec, avec les trucs. I guess it's time to save Hitler one last time. Zig L. Oui, c'est pas marqué Zig. Ah oui, c'est marqué Zig L. Ok, donc épisode fini. Donc c'était le troisième. Donc encore une fois, c'est pas le jeu de base. C'est Brutal Wolfenstein. Donc voilà, ça c'est le premier Escape from Wolfenstein. Opération Eisenfaust. Là, c'est ce qu'on a fait Die Führer Die. Et là, on est parti sur Dark Secret. Et ça, c'est les difficultés. Voilà, donc on te dit que les personnages sont agressifs et que tu peux quand même encore monter la difficulté si tu le désires. Déjà à peine j'arrive, je crève. Ça marche. Ciao ciao mec, prends soin de toi. Merci d'être passé. Ciao. Boom. Ah, je pensais pas que Adolf Hitler en boss allait arriver aussi vite. Je m'attendais vraiment à le voir qu'au dernier épisode. Au plus les épisodes passent, au plus on s'aperçoit qu'ils sont de plus en plus travaillés. Il y a de plus en plus, on va dire, de couleurs, de design différents en fait des salles. Ce qui est assez appréciable en fait. On voit l'évolution au fur et à mesure du jeu. C'est vachement appréciable. Par contre, ce que je regrette peut-être un peu, c'est le fait que les ennemis sont quasiment toujours les mêmes. On a rarement de nouveaux ennemis. Mais bon, ça c'est normal. Ça monte au fur et à mesure, je pense, des extensions. Il faut pas être pressé comme je le suis, quoi, en fait. Aïe. Vengeance. Non, pas de secret non plus. On va passer par là. Et quand t'as plus de munitions, ça va pas tout seul. Obligé d'y aller à coup de poing parce que j'ai plus de munitions. Hop, on récupère les trésors. J'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Je crois que ça donne un bonus à la fin du level, mais j'ai pas vu de bonus la dernière fois. Ça c'est fait.
reste 2 munitions. Je vais pas aller bien loin, 2 balles. Putain, j'ai un temps de réaction, il est de 0 des fois quoi. Ça me déprime. J'ai l'impression qu'au plus je vieillis, au plus je perds en temps de réaction quoi, c'est affolant quoi. Des fois je reste une ou deux secondes devant l'écran, je dis ah merde. Ah je l'avais pas celui-là, tiens. Il est nouveau celui-là. C'est quoi, c'est 9 mm? Je sais pas ce que c'est. Ah! Putain, en tout cas il fait mal le flingue. Il s'est pris sa grenade tout seul. Ah, je pensais qu'il était mort mais non. Trench gun. Ah d'accord. Ah oui d'accord, ok. Mais c'est pas ça. Le trench gun. Oh je crois que c'est ça. Je crois. Je suis pas sûr mais je pense que ça doit être ça. Oh, putain, je vais faire des trous partout avec ça quoi. Oh. Ouais il fait mal celui-là. Il fait mal. Putain, ça c'est la vraie musique du jeu en fait quoi. Ça change de la grosse musique Doom. Hein. Putain, alors là, pour t'y retrouver là-dedans. Heureusement qu'il y a la map parce que. Broum, broum, broum. Alors, non. Oui, il est bon ce fusil, quoi. Très très bon. Par contre, il y a un recul à chaque fois qu'il recharge. C'est un peu chiant en fait. C'est une grosse perte de temps en fait pour moi. Tu vois, en fait, l'animation qu'il fait quand il revient haut comme ça, ça me fait perdre du temps. Alors que si je le laisse comme ça, je perds moins de temps, en fait, j'ai l'impression. C'est peut-être une impression, hein, mais... Putain, je me suis fait les deux d'affilée. Cool. Hop. On boit au puits. Ouais, c'est vraiment un fusil qui est fait pour le corps à corps. Il est taillé pour... Charge les armes. Alors l'infiltration n'existe pas dans Wolfenstein. C'est voilà, ça ne marche pas. Voilà, pour le coup le jeu me fait mentir mais. Laisse-moi recharger dans le calme. Putain, j'aime trop cette arme. Charger. Ah, j'entends waf waf. Il doit y avoir un chien qui traîne. Désolé pour le chien, je suis désolé. Le chien était conditionné pour m'attaquer. Il était conditionné pour voter néo-nazi.
c'est bon. Oh, ce qui m'a mis dans la gueule. Ce long couloir. C'est dommage qu'on peut pas en avoir dans le jeu des chiens. Genre avoir un chien qui te suit comme ça, ça aurait été énorme. Pour pouvoir attaquer les ennemis et tout quoi. Je sais pas s'il y a un mode qui existe pour ça, c'est peut-être, à voir. Ah, la grenade. En plus, je l'ai bien vu comme il faut. Il y a des os, des mecs emprisonnés. Hop. Voilà l'eau du puits qui est pourri. Ah. Oui. Ah merde. Putain, ça l'a pas fait. Voilà. Faire tout le couloir comme ça, quoi. Ah putain, je suis trop con, je suis revenu sur la grenade. Ah, j'aime bien comme ça là pouvoir esquiver les balles. C'est excellent quoi. Boum. Aïe. Ah, j'ai rien esquivé du tout. Je peux peut-être sauter par-dessus avec un peu de chance. Un peu de chance si je suis très très bon. Je crois. D'ailleurs, regardez les effets de lumière dans le tunnel quand les balles arrivent. C'est impressionnant à quel point c'est le mec qui a fait ce mode, c'est un génie quoi. Non, j'y suis pas allé. Il est où ? J'ai déjà commencé à faire le tour. J'entends quelqu'un. Je sais pas où il est, il doit être à l'intérieur. On peut pas passer là? Non, on peut pas. Dommage. Hop. J'aime trop ce move, il est génial quoi. Il me reste une balle. Pas la gâcher quoi. Ah, je peux pas passer. Fais chier quoi. Hop, fin de level. Dark Secrets. Ah, j'ai plus de balles, j'ai plus rien. Je sais plus comment il s'appelle ce flingue, c'est quoi? C'est un Mauser, je crois, ou un truc comme ça? Ah voilà, c'est ça que je cherche.
Ah, ça commence à devenir sympa de plus en plus, ça, quand même. Bon, au niveau difficulté, ça fait qu'augmenter, ça s'arrête pas. Non, j'ai pas encore la clé, c'est pas très grave. Là, j'ai la cyber. C'est quoi cette arme? Ah, on dirait un lance-roquette. Je pense que c'est ça, vu le truc qui est en bas. Non, là il me faut la gold. Non, derrière. Bonjour. Alors, c'est vraiment pas l'arme qu'il faut pour des couloirs réduits comme ça. C'est ça, ça sent la merde, mais... En plus, j'ai que deux munitions, j'ai pas allé très loin. Hop, 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 là-bas, j'ai pas fait. Petit, petit, petit. Ah, joli. Joli, 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 joli. Temps de sortir mon arme principale. Merde, la glissade. Ah. En plus, je vois rien, il fait sombre. Il n'y a pas de lampe. Il m'en reste de trésors à trouver. 9, je crois. Ouais, il doit m'en rester 9. Non, plus haut, il n'y a rien. Bah oui, maintenant que j'ai la silver, je peux retourner à la porte. Sans problème. Ok, calme. Non! Je crois que c'est tué tout seul. Ah non, même pas. Mais tiens, j'avais pas la gold non plus. C'est celle qui me manquait en fait. La silver, je l'avais déjà. Ça y est, je sais plus où il faut aller. Tout se ressemble des fois, c'est un peu abusé. Là, je tourne en rond, là, c'est pas bon. Ça, c'est le début du level. Non, là, je pense que je suis vraiment pas bon du tout. Je retourne en arrière. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Je suis en train de tourner en rond, là. Ah, c'est pas évident. C'est... Ah voilà. C'est pas évident, mais c'est vachement labyrinthique des fois. Et encore, c'est pas le pire jeu. Hein. C'est vraiment pas le pire FPS pour ce délire-là de labyrinthe. Le pire vraiment, c'est Hexen. Hexen, c'est une horreur, mais... Tout se ressemble. Tout se ressemble. Tous les murs se ressemblent. Tous les ennemis se ressemblent. C'est horrible. Horrible, 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 horrible. C'est vraiment pas une expérience... Enfin si, c'est une expérience que j'aimerais refaire et refaire et refaire encore. Mais c'est tellement dur, quoi. Je crois qu'une fois, ça suffit dans une... Bon, après, il y a toujours moyen de gruger, de faire ça avec des cheat codes, etc. Mais bon, c'est pas... Ah, tricher, c'est tricher, quoi.
Non, rien. Pas de secret derrière. On sait jamais. Allez, go. Je pense qu'on peut partir de là. Alors, je crois qu'il y a à chaque fois 8 niveaux, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois qu'il y a 8 levels à chaque fois. Et soit le 9ème c'est le boss, soit le 8ème c'est le boss. Donc là, on est à la moitié de l'épisode normalement. Ah, j'ai pas la clé. Mais c'est vrai qu'à part des versions remasterisées un peu plus actuelles et encore... Je veux dire, on a jamais eu de... On a jamais eu d'anciennes versions comme ça, remis au goût du jour, et de manière beaucoup plus brutale, en fait. Parce que là, en fait, je joue en mode brutal, donc c'est un mode que j'ai téléchargé pour ça, qui change les skins, qui change à peu près un peu tout, mais qui garde l'essence même de, bah, du jeu, de sa base. Et toutes les musiques que vous entendrez, c'est un autre mode qui est aussi rajouté. Voilà. Pour ceux qui m'ont vu jouer à Doom, il y avait aussi un mode pour avoir la vue comme si on était dans le casque. Mais là, on l'a pas parce que ben, bien évidemment, on n'a pas de casque. Donc voilà, c'est sympa de pouvoir rejouer à des jeux comme ça, avec des ajouts graphiques ou sonores. C'est agréable, quoi. C'est déjà la fin? Ah non, j'ai cru que c'était... J'étais en train de me dire, c'est pas possible. Putain, il y a des portes partout, quoi. C'est un truc de fou. Je suis déjà passé. Là, je suis pas passé. Ah, je me mets loin parce qu'ils explosent, ils ont les bonbonnes de gaz derrière. On est dans les tranchées là. Je peux en dire quoi. Oh joli. Bien joué. La fin SS. Attends, je recule un peu parce que... Pardon. Pour l'instant, tous les épisodes du jeu se valent. J'ai pas vu d'épisode qui soit plus contrariant qu'un autre. Mais bon. T'es en train de flouder la converse, quoi. Ah, ton mec il est venu, il a floudé, ouais. Il m'a pourri le chat, cet enfoiré. Alors. Aïe. Où est-ce que je vais là? Je suis paumé. Je suis carrément paumé. Il y a du gros son. Je sais même pas si... S'il n'y a pas un chemin ou un autre accès. Non, là il n'y a rien. Là il y a du poulet par terre. Je crois que j'ai fait le tour en fait.
doit y avoir un... peut-être une trappe, un chemin ou un truc comme ça. Alors, ce qui est génial en plus, c'est que je vois vos commentaires sur Facebook. C'est quand vous commentez, que vous répondez entre vous, je le vois quoi. C'est pas mal ça. C'est pas mal. J'avais pas encore essayé sur Facebook, voir si ça marchait sur. Ben en page publique comme ça, mais c'est cool. Je préfère streamer ben vraiment pour ma liste d'amis que pour tout et n'importe qui après sur Twitch et. C'est plus agréable de se dire vite fait, tu vois, bonjour comme ça, quoi. Aïe. Je sais pas où est-ce que je dois aller. C'est un truc de fou. Il y a des portes partout. J'ai le cerveau qui commence à bugger. Tiens, c'est pas par là. Ça y est, je tourne en rond. Je suis déjà passé par là, bordel. Ah. Ça, c'est la porte d'entrée. Hop, c'est bon. J'ai trouvé. Ah, j'ai plus rien. Reste. Putain, il me reste 16 balles, je vais pas aller très loin quoi. Je crois que j'ai tué tout le monde, c'est bon. Ah, fin du level. Ah, les enflures quoi. Sur la fin du level, ils me mettent un ennemi quoi, c'est. J'ai peut-être boire un coup. Et le personnage que vous voyez au-dessus de moi, c'est le héros principal du jeu en fait. Allez, c'est parti. Alors, 11 balles, 15 balles. Ah, là j'en ai un peu plus là. Boum le chien. Hop. Putain, c'est sombre. Aïe. Putain, il y a zéro lumière, quoi. Eh oui, ben oui. Vous avez été dévoré par Not So Good Boy, quoi. C'est pas un bon chien, quoi. C'est pas un bon garçon. C'est bien, du coup, c'est comme ça que je connais le nom des ennemis à force, parce que... Yo Matt, ça va? Putain, franchement mec, encore merci parce que il est excellent quoi, vraiment. C'est une tuerie. Là je suis à l'épisode 4 et il est excellent, vraiment vraiment quoi. Je préfère quand même Brutal Doom, mais le Brutal Wolfenstein est vraiment pas mal comme ça quoi. Je pense qu'il mériterait une vraie bande son, tu vois, à lui, un peu plus typé pour le jeu. T'as fini Doom Ultimate sans tricher. Putain, moi j'ai triché, mais quand même bâtard. Ah ouais, moi je me fais plaisir là. Franchement, je suis pas en God Mode, tu vois, mais j'arrête pas de crever, c'est un truc de fou. Tu m'avais dit que le jeu était compliqué, mais ah ouais, c'est juste abusé quoi. J'ai rarement vu un jeu aussi dur quoi.
Wouah! Headshot! Ouais, ouais, il est super jouissif, vraiment, c'est un bonheur. C'est vraiment un plaisir, quoi. Ah! Je me retrouve très très souvent sans munitions. Le premier épisode, c'est pas du tout le cas. Par contre, dès que tu commences à arriver dans le deuxième, troisième, c'est la galère, quoi. Mais bon, c'est bien, ça te demande en fait de changer quasiment d'arme tout le temps en fait. Donc tu restes pas sur une seule et même arme. T'es très 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 souvent tu changes d'arme et ça permet vraiment de tout voir, quoi. Faut faire une balle à mort. J'essaye. Voilà, John Wick, c'est genre 3 balles, c'est une balle dans la tête et 2 balles dans le cœur, je crois, ou un truc comme ça pour être sûr. John Wick style à la Keanu Reeves. Non mais je sais que c'est pas à moi de faire le mort, mais... Ah, ils sont super chauds, quoi, les ennemis. Tout à l'heure j'ai tué Hitler et maintenant j'ai affaire à son culte où tu vois des Hitler qui volent en habit noir de sorcier. Putain, j'étais mort de rire quand j'ai vu ça tout à l'heure, quoi. Je sais pas si tu les as vus déjà, mais alors j'aime bien en plus dans le briefing de mission, dans le débriefing de mission à la fin. T'as écrit que, ouais, bon, techniquement, c'est pas trop un suicide, mais on va faire comme. J'étais mort de rire, quoi. Le cadavre, s'il te plaît, il est complètement explosé. Ah, la Silver. Les temps de chargement des armes sont super, super, super longs, quoi. C'est abusé. Ça te fait perdre du temps comparé à Doom, où le rechargement est super rapide. Là, vraiment, tu... T'es mort, quoi. Non, pas de secret, non, que dalle. Allez, hop. Mais ouais, le jeu me fait délirer, vraiment, il est énorme. Attends, je vais voir si... Non, ouais, je pense qu'il faut que je me tire de là. Se désaltère dans le puits. Les mecs sont tournés face au mur, tu sais pas trop ce qu'ils surveillent, mais ils surveillent. Ah, je crois que c'est la première zone d'eau que je vois dans Wolfenstein. Jusqu'à maintenant, il n'y en avait pas eu. Tu pouvais pas nager jusqu'à présent, je crois. Putain, je peux pas passer. Ah, yes. C'est un secret. Je savais pas qu'on pouvait détruire les colonnes avec les grenades. Tu vois, j'y ai pas encore pensé. C'est pourtant, ça va de soi. Mais je me suis dit, à mon avis, elles sont indestructibles. Eh ben non, j'avais tort. J'avais bien tort. Il tombe en précipice. Et dès que tu chopes tous les trésors du jeu, la musique s'arrête en fait. Ça détruit le mode des musiques, tu sais. Et que tu m'as fait télécharger pour laisser la musique originelle du jeu. Oh putain, d'un coup ça te fait un blanc, mais ça fait comme un gros vide, tu vois. Mais elle est bien la bande-son de base du jeu. Elle est superbe. Franchement, tu m'avais dit qu'elle était pas trop exceptionnelle. Moi, franchement, je la trouve passable. Bon, après, c'est sûr, c'est les sons de l'époque, quoi. Mais c'est pas si dégueulasse que ça. Hein. Ouais, elle est pas trop mal. Alarme! Ah, le problème, c'est que dès que t'arrives contre plusieurs ennemis, il te faut un truc qui envoie des balles parce que
pas une à la fois parce que ça devient compliqué quoi. Hop, secret. Celui-là, je l'ai vu, il y avait la démarcation sur le mur. Hop. Je sais pas ce que j'ai récupéré, il faisait trop sur moi. Des chiens. C'est bon, on a plus. Alors j'aime bien parce que des fois au sol, je sais pas si ça se voit beaucoup à l'écran là, mais c'est de la bouffe pour chien. Mais ça te fait récupérer des... Ça te fait récupérer de la vie, c'est ça qui est bon. qu'est-ce que c'est bon alors? Eh non, j'ai pas de lampe torche. À moins que... fais voir. Option... Modifier les contrôles. Action. Tu as peut-être raison, je l'ai peut-être sûrement. Arme non, inventaire non. Tu l'as vu? Non, j'ai essayé moi aussi la touche F. Parce qu'elle était configurée comme ça aussi sur Doom. Kick, slider, reload, flip off. Non, je l'ai pas, tu vois. Je l'ai pas, c'est dommage. Moi aussi, franchement, c'était le truc que j'aurais voulu avoir. Mais non. Je vais revenir bien en arrière. Non, je crois qu'il y aura rien là. Ah, il y a une version avec. Putain, parce que la version avec, franchement, ouais, c'est. Ça serait pas trop mal, quoi, on va dire là. Là, si je tombe, je crève. Putain, où est-ce qu'elle est la porte là? Ah, mais je suis. Attends, je suis pas allé en face, non? Non. S'il y a des ennemis, c'est là qu'il faut aller. Ah, t'avais augmenté le gamma, ouais. Et parce que des fois, moi, je te rassure, là, je vois pas grand-chose. Parce qu'en plus, j'ai la lampe de la webcam qui m'envoie de la lumière dans la gueule. C'est pour ça que j'ai la casquette. C'est pour essayer de me cacher la lampe, mais il faudrait que je joue comme ça, tu vois. C'est juste la merde, quoi. Mais bon, c'est pas grave, j'essaye, tu vois. Je fais comme les pro gamers, en fait. Je joue comme ça, la tête baissée. Et je vois ça de l'écran, en fait, tu vois. Tout le monde dit, ouais, putain, il a l'air d'un pro gamer comme ça, tu vois. Mais non, en fait, pas du tout. C'est juste pour cacher la lampe qui m'éblouit, quoi. Ah putain, je vois rien. Voilà. Hop. Ah oui, je t'ai pas dit ça aussi. Je crois que c'était au boss du premier épisode. Il s'est passé un truc, mais extraordinaire, vraiment. Le boss me tue. Et alors, je crois qu'il y avait une grenade ou un truc comme ça. Et en fait, donc mon personnage explose. Donc comme si, tu sais, il y avait la tête qui explosait. Et en fait, elle roule par terre. Et donc, t'as la caméra qui roule. Sauf que la caméra, si tu veux, elle arrive à la fin. Donc, elle se met à l'envers, comme si ta tête était à l'envers. Et je m'ai ressuscité, mais je me ressuscite à l'envers. Donc, du coup, j'étais en train de jouer, mais avec les contrôles inversés. Putain, c'était énorme. Et du coup, j'ai fini la première campagne ou la deuxième comme ça, à l'envers, quoi. Parce que je me sentais pas tout refaire. J'ai dit, oh putain, c'est bon. J'ai fini la deuxième campagne, la tête à l'envers, quoi. Ah, c'était, je te jure, c'était fun, quoi. T'aurais rigolé quoi. Alors là c'est bon. Oh, cette croix gammée sur la map, regarde. À droite, je sais pas si ça se voit beaucoup, mais ils se sont démerdés de faire une croix gammée avec le level quoi. GG quoi. Putain. La construction de level est superbe quoi. Ah, des fois t'as des aigles qui sont dessinés aussi, j'ai remarqué. T'as des petits trucs comme ça. Alors c'est pas là, ça doit être pas par là. Attends, ici. Non, ça c'est le secret qu'on a vu tout à l'heure. Là on en vient. Que dalle, que dalle. Aïe 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 aïe, là ça y est, je commence à en chier pour trouver la sortie.
suis pas allé là. Non. Non, je suis pas allé. Ah oui, changement d'ambiance. Ben voilà, c'est la fin du level. Alors des fois aussi, il y a des trucs qui sont rigolos, c'est ça. C'est t'en as une et t'en as deux et tu sais pas laquelle c'est en fait. Donc dans une des deux, tu te dis putain, il y a une sortie, mais c'est où quoi, tu vois. Tant c'est même pas là, tant c'est des fausses sorties en fait. Tu vois, c'est des fausses sorties. C'est fait exprès quoi. C'est pas mal. C'est pas mal pensé. S'il y a des corps, c'est que t'es déjà passé. Et oui. Alors. Oh là, il y a du monde. Tout à l'heure aussi, je lance la grenade, la porte elle se referme, je me la prends dans la gueule. Ça, c'était énorme ça. Et je m'imagine dans la réalité comme ça en train de courir, c'est dans le salon tout en rechargeant mon arme. Et les mecs comme ça qui tirent partout dans le salon, tu sais. Putain, c'est nawak, je te jure quoi. C'est comme ça qu'on fait la guerre en Asie, mon fils. Tu vois, j'ai récupéré tous les trésors, la musique s'arrête. Et ça me met la musique originelle du jeu. Qui a absolument rien à voir. Tu vois, c'est super bizarre. Oup. Oup. Tu vois, la musique est pas dégueulasse, mais bon. Ça fait un peu tâche à côté de ce qu'on avait il y a 5 minutes, quoi. C'est pas là. Oups. Et hop. Et merde. Ah. Laissez-moi recharger, bordel. Ça, j'aime bien, tu vois, les tripes qui tombent comme ça. C'est bon, j'ai tué tout le monde. Là, il y a un secret, là, non? Ouais. Tu vois la démarcation entre les deux murs. Hein. Ah, il me faut la black key. Hein. Là aussi, il y a un secret, non? Les murs sont différents. Non? Non. Bizarre. Non! Là, il n'y a rien, que dalle. Putain, c'est pas possible. J'ai dû louper quelque chose. Ah, voilà. C'est la fin du level. Ciao, ciao, mec. Merci d'être passé. A plus. J'ai peut-être sauvegardé. Attends. Parce que je parle, mais... Arthur ? Pas de secret. Laisser recharger tranquille. C'est quoi cette arme? Je l'avais pas avant ça. Ça le fait mal.
Elle me fait mal. En plus, elle est silencieuse, élégante. Ça fait pas de bruit. Ça me plaît beaucoup. Ah! Chut! Tais-toi! Pac, pac, pac. Hop, on a la gold. Faudra rappeler le décorateur parce que le rouge et le bleu comme ça, c'est dégueulasse quoi. Allez hop. Oui. Oui. Ah, une munition, dommage. J'apprécie. J'ai bien fait tirer dans le tonneau. Non, j'en ai plus. Ça, je devrais les garder pour les gros, mais bon. Non, rien que là. Là non plus. J'ai l'impression de tourner en rond, on dirait. C'est pas une impression. Je peux pas passer là? Non. Je ne peux pas. Ah, peut-être à droite. Ouais. C'est là. Où. Ah non. On voit rien, y a pas de lampe torche, c'est dommage. C'est dommage. Pas de secret. Non, pas de secret. Je vérifie toujours parce qu'on sait jamais. Silver key, je ne l'ai pas. Allez, munition. Je préfère que ça explose maintenant que pendant que j'y suis. Voilà. Voilà pourquoi. Bon, hop. Là. Non. Putain, ça a une vitesse des fois, je me dis putain, j'ai les yeux. J'ai les yeux en compote quoi, je vois plus rien à la fin quoi. C'est ça qui est bon. C'est de voir plus rien à la fin de la soirée. Les casseroles du Führer. Hop. Là, il faut attendre. Putain, ils m'ont engrugé, ils sont passés par derrière. Ça arrive très souvent. L'IA se permet de faire des trucs que je sais pas si elle devrait le faire normalement en fait. Je suis pas sûr en fait que l'IA le fait de base. Oh, je sais pas viser, c'est pas agréable. Hop.
J'ai fait des trous là. Là, j'ai fait des trous. Ah voilà, la silver elle est là, parfait. Ouais, je suis bon là. Enfin, je crois. Là. Ici. Ouais, vraiment, pour ceux qui trouvent ça labyrinthique, je peux vous assurer que ça l'est pas. Ça l'est pas. Il y a vraiment des jeux qui sont beaucoup plus durs que ça. Quoi. Calmez-vous, calmez-vous les gars. Parfait. On a la fin du level. Je recharge parce que des fois derrière la porte de fin de level il y a un truc. Je me suis pas trompé. Hop. Putain, je commence à avoir mal hein. Je commence à avoir mal aux mains. Je crois qu'il me reste deux levels, il doit me rester celui-là et le prochain. Et boss final. Enfin boss final. Boss Dark Secret. Donc de cette extension là. Et après je pense que je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter, ça suffira pour la. Pour ce soir. Je vais aller faire un peu autre chose de ma vie après. Déchirer la gueule là. Je suis obligé de faire ça parce que j'ai pas de. J'ai pas de truc qui pulse un peu là. Voilà, fais le ménage. Aïe, je me fais tirer par derrière. À gauche. Personne. Parfait. Pas de secret là. Ah, j'aurais cru. Les clés du jeu, c'est super. T'as même dans un couloir, j'arrive pas à les shooter. C'est la honte assurée, quoi. Putain. S'il y avait une vache dans un couloir, laisse tomber, quoi. Tire à côté, quoi. Là, je suis passé. Là, j'ai pas fait sur les côtés, je crois. Ça, c'est bien. Chut. Soyez sage. Prends ton temps, surtout. Non, il se relève pas. Ah, j'ai cru. Sur le coup, je me suis dit si, peut-être. On a récupéré un lance-roquette, c'est déjà pas mal. Putain, tout ce trajet pour un lance-roquette. Après, ça peut être utile. Hein.
Ça peut être utile. T'as vu, je recharge. Tiens, la grenade qui a volé, quoi. Voilà, il n'y a que de la bouffe. On va pas aller bien loin. Ouais, je sais pas où se trouve la porte. Ah, à droite. Ouais, là je suis pas rentré là. Si? Non. Aïe. Je peux jouer? Est-ce que je peux jouer? Oh, y a tout qui est rouge. Pardon pour le coup parti tout seul. Mes doigts prennent le réflexe. Et des fois j'ai le doigt, boum, il part tout seul quoi en fait. Mon doigt est conditionné pour tuer. Pour tuer du nazi. C'est abusé quoi. Le clic droit mais. Oh, putain, c'est un truc de fou quoi. Aïe. Il est mort? Oui, il est mort. Ça. Dommage. Rien, j'ai tué tout le monde. Putain, la lumière rouge avec les yeux. J'ai les yeux en compote, quoi. Franchement, j'en peux plus, quoi. Oui. À droite. À droite. J'ai cassé une lampe. J'ai cassé une ampoule. 5 euros, le revient. C'est parti. Hop. Alors là, j'ai la silver. Je sais plus où est-ce que je l'ai vue. Bon, je vais finir par retomber dessus, mais. Le plus dur, c'est d'arriver à retrouver où est la porte en fait. Ben voilà, elle est là. Personne. Hop, fin de level. Normalement. Je savais qu'il y avait un ennemi encore derrière, mais bon. Hop. A dark secret floor. 4, 8. Donc là, techniquement, c'est le dernier level où on devra affronter le boss. Bien joué. Alors il faut surtout pas s'abaisser au sol, parce que quand tu t'abaisses au sol, tiens, les gouttes d'eau qui jaillissent, tu vois plus rien quoi. Conseil de chasseur de nazis. Oula, alors là on voit rien. Putain. Ça par contre c'est excellent parce que du coup tu vois que les tirs passer. C'est énorme. Visuellement, je trouve ça assez réussi en fait.
Je comprends plus rien à ce qui se passe. Je tire au hasard. Tant que je meurs pas. C'est un désastre quoi. Voilà. Moi je me fais péter avec tout le monde. N'en parle plus. Oh le people qui a. Hein? Ah, il faut que je change d'arme. Faites chier les gars. Putain, ça part à une vitesse le lance-flamme. Les munitions partent trop vite dans ce jeu. C'est ce que je regrette le plus en fait. Je vois ce que je peux recharger. Non, pas les mains. Les mains, ça se recharge pas comme ça. Non, non. Au final, il y a quand même un beau petit panel d'armes. Hein. C'est pas. C'est vachement sympa quand même. Hein. Je sais pas si après, dans le jeu, au fur et à mesure des épisodes, on a des trucs genre du plasma ou des armes un peu plus, on va dire, avancées technologiquement. Ça serait cool. Ça serait cool d'avoir ça. Je surkiffe les armes à plasma dans les jeux vidéo en général. Ouais, j'ai toujours pas de clé. Pardon. Ah, Hans. Personne. Et j'ai pas la gold key, super. Je suis bon pour tout. Hein. Pour revenir au début. Hein. Allez. Ça, je l'ai fait, ça. Ouais, ça, je l'ai fait. Ouais, il y a peut-être un autre passage, ouais. Ouais, là. Pas le meilleur endroit pour charger. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais, c'est bien. Quand il y a de la fumée comme ça, c'est le bordel. Ça, ça. Allez hop. Ah ben voilà, elle était là la gold key. Facile à trouver normalement. Et hop, hop. Hop. Là ça craint là.
Pas de secret, que dalle. Allez hop. Ah mais... ça... ah, je suis arrivé par là, bordel. Alarme. J'ai pas un truc plus intéressant que ça. Ouais, j'ai pas beaucoup de balles. Hein. J'ai vraiment pas beaucoup de balles. Je suis étonné normalement. Ah, la musique a changé. Peut-être que c'est l'arène du boss. C'est pas impossible. Pas impossible, je vais voir si j'ai pas le lance. Aïe, si j'ai pas le lance-roquette avec moi. Comme ça, ouais, ça peut marcher. Ça peut faire des trous. Ça peut. Non, ça oui. Ça j'aime. Ah, hop, hop. Et hop. Ah, le reste. Ah, lui il est carrément dans le mur, lui. La musique a carrément switché. Par hasard, j'aurais récupéré une clé. Rien du tout. Il faut que je saute là. J'ai peur que si je saute, je crève comme une merde. Je le sens pas trop. Je le sens pas trop trop. Je fais quoi? Je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Je vais sauvegarder d'abord parce que je le sens mal. Je le sens mal. J'ai bien fait de sauvegarder. Ouais, je le sentais pas. Non, y a rien, y a pas de porte, y a que dalle. Je pense qu'il y a une autre porte. Plus en haut. Alors, soit la clé est cachée sous un cadavre, ce qui m'étonnerait pas. Non, là y'a rien. C'est obligé qu'elle soit dans la salle à côté, là aussi, il me la faut. Non, elle doit être dans cette salle, mais où? Il y est peut-être pas, je sais pas. Vu que c'est sombre et dégueulasse, on voit pas grand chose. Donc là, c'est pas bon si on saute ici. Là aussi, on meurt, c'est pas bon. Putain, où est-ce qu'ils sont allés me foutre la clé? Bon, alors, c'est ça, hein, c'est qu'elle doit être cachée sous un cadavre. Parce que la dernière fois ça m'a fait le coup. J'ai tourné pendant 3 heures et la clé était sous un cadavre. Là je peux pas passer. Là je peux pas sortir non plus. Putain, c'est pas possible. Ah, je pense que c'est bon, là on a débloqué la situation. Ah!
Ah, elle est là. Elle est là, elle est là. On va tracer direct, hein. Je 100%, j'en ai un peu... J'ai un peu rien à foutre. Ah, plus de munitions. Ça, c'est fait. What? Ouais, je peux pas, le temps qu'il recharge, ça met 3 heures quoi. Ah! Laissez-moi passer! Laissez-moi passer! Voilà, c'est bon. J'espère que je suis pas mort en même temps parce que sinon, faire bugger le jeu quoi. Ah voilà, donc là c'est le boss là. Je pense normalement. En général, c'est toujours le 8ème ou le 9ème level qui où c'est le boss. On charge tout. S'il vous plaît. Histoire de pas partir. Ça, c'est un boss, les mains vides. Aussi, on charge. Allez, go. Parfait pour les munitions. Je peux pas. Ouais, ça pue le boss. En général, quand il y a une porte comme ça, c'est que ça pue. Alors le dernier boss c'était Adolf Hitler, donc là ça doit changer forcément. Ah ça j'aime ça. Ça j'aime voir des armes comme ça un peu là. Ah, là je pense qu'on peut y aller, ça va envoyer du lourd. Allez go, c'est parti. Bon, bon, bon. Il a dit Schnell. Oui, des armes. Hop. C'est bon. C'était ça le boss? Non. Non, je suis sûr qu'il y a autre chose après. C'est obligé qu'il y a autre chose. Un vrai boss, avec une vraie barre de vie. Ça, c'était pour se mettre en condition, ça. Ah, il est là! Les boss sont super durs, quoi. Rajoute des ennemis en même temps, ça va pas le faire. Oh, il est super tendu quoi. Heureusement que j'utilise les codes parce que sinon c'est même pas faisable en vrai quoi.
C'est dur. C'est dur. Et en plus, c'est sur la tête chercheuse. C'est ça qui est rigolo, quoi. C'est que ça fait vraiment pas semblant d'être dur, quoi. Pas de lance-flamme, pas de lance-roquette, que des armes de merde. Putain. C'est vraiment la merde. Et voilà, ça c'est fait. Hop, j'ai chopé la dernière clé. Putain, t'imagines, il y en a même comme ça en haut là qui te tue. Qui te tue juste après le boss, quoi. Oh la rage. La porte rouge, c'est celle-là. Et voilà, on a fini. Yeah! Télégramme urgent. Monsieur Giftmatcher is dead. Alors, found any trace of the chemical here. No any documentation about the chemical themselves. OSA command did inform maybe for the document about the Greftkrieg. Poison War. Castle Erlengen. Ok. Bon, et eh ben épisode complété, ça c'est fait. 100%, 100%. Allez, je me frapperai. Je vais sauvegarder au prochain, donc ça sera Trail of the Madmen. Ah, je vais sauvegarder là. Clac. Parfait. Et je reprendrai sur un prochain stream. Là déjà, on a bien avancé sur Wolfenstein, quoi. Ouais, je pense que la prochaine fois, je m'en ferai deux aussi, comme ça. Deux par deux. Et je me laisserai le dernier pour une autre session. Allez, tac, je go. Bonne soirée à tous. Ciao.